Bonsoir les gamers, j'espère vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre une astuce Kama qui marche très bien les gars. Ça date depuis vraiment longtemps et franchement ça marche toujours et pour toujours. Une astuce Kama vraiment efficace et rapide. Tu dois cet item là, tu dois l'acheter obligatoirement quand tu opes ta team ou bien ta moule, l'essentiel les gars. Tu dois l'acheter, mais avant de commencer les gars, je vous montre l'épreuve de vente d'aujourd'hui rapidement. Donc on a les dagues de drague 400 000 kama, on a ceinture de l'amant da 350 000 kama, on a boot du minotaur 220 000 kama, hache du minotaur 200 000, hache du minotaur 200 000, plus on a boot du Minotaur 220 000, on a ceinture de l'amant da presque 400 000 kama, et on a anneau crostique 1 800 000, on a boot du Minotaur de 200 000 20, on a bague de Dragueuf 400 000 kama, donc les gars on a pour 2 millions 4, et on a hache du Minotaur 200 000 kama, boot du Minotaur 220 000 kama, H du Minotaur 200 000 kama, et on a boot du Minotaur 219 000 kama, donc on a pour 800 kama. Voilà les gars, c'est les ventes d'aujourd'hui et hier je crois normalement. Allez les gars, on commence tout de suite par l'astuce kama. Les gars, l'astuce kama c'est le bâton Fleuribond. Normalement vous connaissez cet bâton, c'est très utilisé sur Dofus 1.29 PVP par les pandas, les Xel, je crois. Normalement les Xel contre les SRAM utilisent souvent cette bâton là. Attendez les gars, Fleuri 2 secondes les gars, reset. Ta-na-na-na-na. Voilà, racine du Fleuribond. Est-ce que oui, voilà. Catégorie bâton. Donc voilà. Les gars, on va checker la recette tout ensemble. Donc on a pour 77 000, on a pour 85 000, on a pour 95 000. On a pour 95 000, on a pour 195 000, on a 210 les gars, 210, voilà, 215, allez on va dire 220 000 kama l'unité. Donc les gars, je vais crafter 20 pour ma part. Bon, normalement je vais couper la vidéo, j'achète tout et on se retrouve juste après. Les gars, juste un petit truc, avant de commencer, j'aimerais bien de lancer un autre concours, voilà. Les gars, c'est comme la dernière fois, pour participer, il suffit juste à abonner sur la chaîne, les gars. 10 millions de kama à gagner sur le serveur Télésia. Les gars, quand je hop 500 abonnés, on fera le tirage du sort. C'est exactement comme la dernière fois. Donc voilà, les gars. D'ailleurs, GG à Erhard qui a gagné le concours. Donc voilà, allez, on continue. Re les gars, c'est bon, j'ai tout acheté. Donc j'ai crafté 5, j'avais 2 millions 5 sur moi. Donc le craft m'a coûté 1 million pile. Donc on va les crafter tout de suite. Les gars, je vais vous montrer comment je affame un seul item. Après je coupe la vidéo, sinon ça sera pas intéressant de voir 5. 5. Donc voilà, allez, atelier du sculpteur les gars, vraiment tu peux faire masse de kama avec cette bâton là, vraiment ça se vend très bien, surtout sur des serveurs multi-compte puisqu'il y a beaucoup de teams, beaucoup de moules. Donc voilà, allez on va crafter ça, sculpter. Les gars,
J'ai la flemme, donc j'ai crafté seulement 5. Donc, voilà. Sinon, je peux crafter 20, 25. Ça part vraiment très très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, voilà. Voilà. On a les 5 bâtons. 2, 4, 5. On va les affamer rapidement, les gars. C'est vraiment très très rapide, les gars. Tu spammes juste les runes, ça, et c'est tout. Donc, voilà. D'ailleurs, je passe sculpteur niveau 198. Donc, hôtel du Vendrune. Allez. Donc, on a pour sculpture mage. Donc, voilà. Là, c'est parfait, les gars. On a pour 57. Donc, on va ajouter seulement pas ça. Donc. Parfait les gars. Donc on a pour 50 assassins, on doit juste ajouter à une race et c'est bon. Voilà les gars. Donc, les gars, je vais affamer tout ça et on se retrouve juste après. Re les gars, j'ai tout affamé. Regardez l'heure, même pas une minute les gars, vraiment même pas une minute. J'ai affamé les 5. 60 sagesse. Donc on va checker combien ça coûte en HDV. Donc les gars, le craft m'a coûté 1 million pour les 5. Les gars, je vais pas ajouter les runes puisque ça coûte rien les runes ça. Donc t'as pour même pas 20 000. Hôtel du vent, des équipements. Les gars, vraiment, tu peux faire masse kama avec cette astuce là. Si tu la spam, tu peux faire, les gars, 20 millions par semaine. Easy, vraiment easy. Donc, on va checker combien ça coûte. Les gars, on a tout ça, c'est G2 Craft. Voilà, on a pour 60 sagesse là. 60 sagesse. Voilà, les gars, 500 000 kama l'unité. Donc, c'est 200 000 kama le craft. On a crafté 5 pour 200 000 kama, donc ça fait 1 million. J'avais 2 millions 5, donc 1 million. Donc le craft, l'item coûte en HDV 500 000 kama les gars, l'unité. Vraiment 500 000, t'imagines. Donc on va faire 2 millions 5 et on va enlever 1 million de craft. Donc les gars, on va faire 1 million 5 de B9. Franchement, avec seulement 5 bâtons, ça prend même pas 2 minutes les gars à faire. Donc, profitez-vous. Juste un petit truc les gars, je vous conseille de ne pas faire l'astuce comme tout de suite, puisque tout le monde va le faire. Donc les prix vont chuter, vous connaissez la chanson. Donc attendez au moins une semaine ou 15 jours pour la faire. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve à la prochaine.